Ou sur OnTV, vu sur Haïti. Haïti a ses leaders, mais elle a aussi ses beautés. Les beautés d'Haïti méritent d'être regardées, admirées. Vu sur Haïti vous apporte les images que vous n'avez jamais vues sur Haïti. On va faire parler les images que vous croyez muettes. Vu sur Haïti, présenté par Stéphanie Smith. Chaque mercredi 3h, reprise jeudi 2h et samedi 9h du soir. Vu sur Haïti, Haïti et ses images autrement. Un peuple qui ne connaît pas son passé, ses origines, sa culture, ressemble à un arbre sans racines. Bonsoir Haïti, bonsoir le monde. C'est toujours un plaisir pour nous porter la caille nous émission Vue sur Haïti. Jeudi à Vue sur Haïti dans Fort Jacques, comme nous avons déjà well, et nous venons présenter où qui sa drapeau y est pour en tant que peuple, qui sa drapeau représenté pour vous en tant que monde qui vive. Chaque être, chaque nation a un drapeau qui représente. Et vous pouvez dans toute activité depuis que vous voulez représenter avant le bainon, le lever le drapeau. Donc, le drapeau a joué un rôle important dans la vie de chaque être humain. Je ne vais pas parler de drapeau pour contre moi, mais je vais parler de drapeau avec Sanette Jean-Baptiste, qui est étudiante finissante dans l'IRA et qui est également responsable INAPORT. Bonsoir, Sanette. Bonsoir, Stéphanie. Bonsoir à tous les amis téléspectateurs qui regardent. Moi c'est Sanette Jean-Baptiste, moi c'est étudiant finissant dans le département tourisme et patrimoine dans IRA Isers Université de l'État. Moi encore membre dans INAPAT, moi responsable organiser conférence dans INAPAT et moi responsable aussi faire travail terrain et collecter données sur site. C'est un plaisir pour moi là dans l'émission avec nous pour me parler nous de qui ça drapeau lui-même lui représenter pour nous en tant que peuple. Là où est un drapeau? Ouais, un peuple qui est souverain. Ça veut dire drapeau, il représente le symbole d'une nation. Drapeau, pour nous, même haïtiens, il représente un pile bagaille pour nous. Il veut dire un pile bagaille pour nous, en termes d'identité. Nous. Parce que là, nous gardons nous, un drapeau, un côté, ça symbolise là, il y a un peuple souverain, là, il y a un haïtien qui l'a. Ça symbolise tout, ensemble des luttes que grands héros qui te menent pour nous, aujourd'hui, pour être capable libre. Ça symbolise tout ensemble de travail, ça, parce que vous êtes gourmé pour être capable de prendre liberté. Et drapeau, d'après ça histoire fait nous connaître. Histoire fait nous connaître que le drapeau c'est prend naissance à la CAE le 18 mai 1803 dans le cadre d'un congrès qui était fait. Côté que Dessalines lui-même il prend décision après lutte ensemble de grandes batailles qui ont mené pour faire le drapeau. Il a pris le drapeau français, il a enlevé la partie qui blanche dans le temps qui représentait la royauté française et puis il a venu collecter blé ensemble avec rouge là ensemble. Bleu a lui-même l'été symbolisé noir haïtien yo et puis rouge là lui-même l'été représenté noir mulatio. Ça veut dire coller le coller ensemble, ça symbolise l'unité ou bien l'union des noirs et des mulâtres. Drapeau veut dire un pile bagaille pour nous même en tant que peuple. Ça veut dire drapeau c'est fierté nous parce que là nous vivons côté à l'aide de drapeau yo ça c'est tel pays, ça c'est tel pays. Ça veut dire drapeau chaque fois nous drapeau c'est fierté nous, nous sentons nous bien, nous sentons je dis à nous libre, nous sentons nous te mener en bataille et que nous gagnons bataille là, il symbolise ensemble de victoire que nous te gagné sous blanc français qui te viennent battre nous, qui te viennent coloniser nous, faire nous tourner esclaves. Il y a un bagaille qui est très important parce que moi en tant que femme que Madame Jean-Baptiste Blier dit nous, les Dessalines te fin prendre drapeau. Li te retire parti blanc, bon femme vaillant qui te chita te coup de drapeau ça. Son femme qui très important dans l'histoire pays d'Haïti. Qui femme ni encore? Catherine Flon. Voilà. Ça veut dire que nous pas qu'à parler de drapeau, ça ne pas parler de femme ça parce que femme ça, on ka dit c'est histoire et pays d'Haïti commencer ensemble avec lui en tant que femme. Li te prend temps après séparation ça qui t'est faite qui t'est voulait dire que là nous pral commencer bataille là nous pral commencer goumer là nous pas sous dominance française encore et drapeau li pas toujours bleu et rouge li pas toujours gen parmi ça nan mitan li gen une histoire qui ensemble de drapeau qui t'est gen noir ouais. T'est gen plusieurs types parce que t'est gen noir et rouge blanc et rouge parce que de temps en temps li modifier par exemple m'a songé que les Papa Doc et Baby Doc a dirigé pays sous dictature et nous te drapeau lui-même était passé de noir et rouge et c'est après départ Jean-Claude Duvalier côté que et puis nous vinn comme si vinn avec bleu et rouge là parce que nous dit dictature il était pas bon pour nous c'était l'enfer et puis nous retourner avec bleu et rouge là avec armoire en même temps.
ça que nan mi tan drapeau vle di parce que grand pile moun en tant que haïtien qui ka juste wè un drapeau bleu et rouge on pa mis nan mi tan mais en tant que peuple qui ça pa mis ça représenter pour nous li représenter en pile bagay parce que l'op gade a mo aria ou après li gen deux canons ou après en balle gen boulette et puis gon palmis li représenter zam comme zam nou te gen pour nous te goumen et le palmis la représenter comme si yon pied bois qui dur qui résistant nous alors nous te résister devant toute attaque ça c'est ça qui fait ouais à moi ria li même li nan mitan drapeau pas oublier que pour nous te gen drapeau ça c'est nous te résister en bas pi golan mais qui te gen à l'époque qui c'est armée napoléonienne c'est pas n'importe qui bagaille qui a parlé là et ceci drapeau ça nous c'est premier peuple noir qui est arrivé gen drapeau premier peuple noir qui libre premier peuple noir qui retiré corps dans esclavage ça veut dire en pile bagaille c'est ça qui fait l'op garder drapeau ou est signe là-dedans n'est pas au hasard ça veut dire que tu grand pile bataille qui t'est faite tu grand pile guerre qui t'est faite et parmi son dit qui représentait un pied bois et les parmi son côté ça portait la vie ça portait de l'eau ça portait énergie ça portait tout ça qui positif dans une communauté qui ça drapeau représenté est-ce qu'on senti jeunesse ça kounya gain même valeur là est-ce que en pile étudiant en pile élève l'école pas connait hymne national comment on ka susciter jeunes yo à gain un esprit beaucoup plus patriotisme pour remettre drapeau yo. OK, comment on capable susciter jeunes yo pour être capable plus s'approprier de drapeau noir parce que nous on a regardé Jean ça était longtemps avec Kounia c'est deux bagages différents parce que m'a songé à l'époque moi était petit monde les fait drapeau après arriver c'est répétition dans toute l'école yo il a montré nous hymne national là il a montré nous série de l'autre chant qui approprié ensemble avec 18 mai ou après comme si mon yo était gain plus engouement ou après c'est petit monde dans la rue fanfare dans la rue ou après c'est dans l'université yo gain des conférences qu'a fait des débats qu'a des thématiques qu'a débattre autour de drapeau mais nous comme si je dis hein bah yo vinn pas même gens encore bon bah connait si c'est crise politique qui fait bagaille yo vinn pas même gens après dans date ça gagne monde qui manque intégrer mais comme si conseil m'a porté pour jeunes yo m'a demandé yo comme si pour yo plus comme si rentrer dans question histoire nous parce que histoire nous capable porter en pile bagaille pour nous même si tout dans question comme si tourisme si nous t'a voulu pencher nous sur question histoire nous pour nous capable développer une forme de tourisme en Haïti par exemple tourisme historique n'a besoin en pile bagaille. OK, ou senti que jeune yo yo manque intégré ou senti moi même petite moi est-ce que si vraiment jeunesse haïtienne là te connaît histoire li, li te connaît côté li te sorti qui ça ancêtre te mené pour te arriver là est-ce que flûte migratoire que nous gagne t'a gagné est-ce que t'a gagné toute jeune ça qui voulait quitter pays à parce que normalement nous toujours petite moi si des saline pétition Christophe et autres te dit bon n'a baissé les bras est-ce que kounya n'ta pour peuple qui libre est-ce que n'ta pour peuple qui t'a aidé l'autre nation joindre indépendance donc moi même moi invité nous disons à remettre drapeau nous beaucoup plus et à remettre tête nous en tant que peuple et à connaître histoire nous l'école yo tout surtout apprendre timoun yo parce que puis faut l'école kounya entre à 6h donc timoun yo pas venir connaître qui ça drapeau on pas monter drapeau ça qui est intéressant encore nous connait dans la rue même policier ou bien civil les 8h drapeau a monter machine continuer à circuler ou bien moun yo continuer marcher donc et puis drapeau a monter également dans commissariat yo juste ici drapeau pas grand ken policier qui pour chanter même pas même connait si on hymne national là donc ça c'est un minimum que nous ca offrir avec ancêtre nous qui te travaille qui te fait un travail qui acharné qui te bail vie des fois gagne perdit madame qui perdit petite qui perdit vie par pour te ca ban nous drapeau ça donc drapeau mérité pour nous garder avec plus respect avec plus l'amour avec plus affection bon c'est pas solution c'est pas quitter pays hein qui problème non comme si n'a pas d'équité pays assez en rester dans pays pour nous en tant que jeunes qui ça nous capable porter parce que nous avons une histoire qui vraiment enrichissante parce que pas oublier que nous c'est premier peuple qui était prend indépendance li ça veut dire ça porter en pile comme si dans monde là nous toujours nous grand nous comme des vaillants parce que nous même j'ai l'impression que nous manquer ouais tête nous grand Jean monde là ouais nous grand j'ai l'impression que nous même nous ouais nous petit parce que si nous te connait grandeur nous en tant que peuple nous t'essayer connait histoire nous grosse série de façon d'avoir descendre tête nous dans de l'autre nation, nous pas ta faire. Ça veut dire que faut nous parler beaucoup plus avec jeunes pour nous intéresser pour nous dire que comme si la vie pas finie, me connais que bagala pas facile et ceci bagala pas facile pour des salines, pas facile
pour Canriflon. Ce n'est pas facile pour aucun monde, pour aucune nation qui vient une nation qui a grande puissance ou bien qui vient une nation qui a un pays indépendant. Donc, c'est un travail. C'est un travail au quotidien. C'est chercher qu'on est, qui ça drapeau représenter, qui soit en tant que monde. Et ça pourrait venir motiver beaucoup plus pour qu'on est. Mais qui ça que mieux, mais qui ça me représente dans le monde là, culturellement, mais qui ça me représente dans le monde là, touristiquement et surtout historiquement, ça va faire que vienne une valeur ou pas baisser tout devant l'autre nation. So, qui ça INAPAT. OK, INAPAT c'est Institut Haïtien Patrimoine et Tourisme. INAPAT c'est une organisation qui a une formation technique dans le domaine tourisme et patrimoine. Ça veut dire INAPAT comme si formé une série de jeunes et puis INAPAT comme si gain mission dans les missions pour les identifier sites touristiques nous pour les conserver, valoriser et puis former en pile jeunes. Ça veut dire dans INAPAT nous avons comme objectif pour nous élargir cadre communauté technicien dans question dans outils qui n'a baio dans conservation dans ça veut dire faut capable mesure pour interpréter un site pour identifier site là pour faire guide etc. Qui ça nous programmer pour 18 mai? Bon, 18 mai dans l'université côté Miami, on a préparé des conférences et débats autour de thème drapeau pour nous capable sensibiliser jeunes pour yo capable intégrer dans question fait drapeau. Qui côté ça fait célébrer drapeau 18 mai? C'est parce que c'est à Kaye 18 mai 1803, yo dit d'après histoire fait nous connaît que c'est là drapeau lui-même il était créé, c'est ça qui fait que nous choisissons ça pour nous célébrer, mais c'est histoire, c'est comme si en 1703 nous fait juste ça. OK, 18 mai 1803, il représente un pile bagaille pour peuple haïtien. Oui, un pile bagaille. Même Jean 1er janvier, c'est un gros bagaille. 18 mai, même Jean 18 novembre également, c'est un gros bagaille. 18 mai représente un pile bagaille. Je dis en nous dans Fort Jacques, c'est pas un hasard. C'est parce que fort là, il représente également la bataille que le peuple a mené, que les ancêtres a mené pour emmener nous avec drapeau ça. Voilà. Qui est fort à te fonder, ça le représente pour nous historiquement, ça le représente pour nous en tant que peuple. N'a pas observé première pause nous, n'a pas tourné tout de suite après. Sur ONTV, vu sur Haïti. Haïti a ses leaders, mais elle a aussi ses beautés. Les beautés d'Haïti méritent d'être regardées, admirées. Vu sur Haïti vous apporte les images que vous n'avez jamais vues sur Haïti. On va faire parler les images que vous croyez muettes. Vu sur Haïti, présenté par Stéphanie Smith. Chaque mercredi 3h, reprise jeudi 2h et samedi 9h du soir. Vu sur Haïti, Haïti et ses images autrement. N'a pas célébré drapeau, n'a pas célébré ancêtres, n'a pas célébré construction fort et n'a pas célébré la vie, n'a pas célébré histoire. Nous n'en fort Jacques et merci parce que nous toujours été branché émission vue sur Haïti. Moi pas vinn parler de Fort Jacques pour comme. Moi vinn parler de Fort Jacques avec France et Lusma qui c'est un guide touristique dans Fort Jacques et je suis souvenir Fort Jacques ou pas blaguer. Pourquoi? Il y a des gens qui sont placés et qui sont formés, qui ont une histoire, qui ont fait connaître, qui sont représentés en tant que peuple. Bonsoir, friends. Bonsoir. C'est un plaisir pour vous sur Haïti recevoir. Merci. OK. C'est qui est Fort Jacques qui a fondé? En fait, il faut me dire que Fort Jacques lui-même prend 13 mois pour le construire. À savoir que mai 1804 et juin 1805. Parce que et nous connaissons que l'objectif de construction de Fort Jacques, parce que la France. Nous étions en fait la plus riche colonie de la France. La France n'a nous occupé non plus que 200 ans. Maintenant que après que nous fûmes victorieux sur l'armée française, parce que nous connaissons que la première bataille là c'est Ravina Couleuf, deuxième bataille là c'est la Crête à Pierrot. Maintenant lorsque Dessalines nous a perdu tous les deux batailles ça, Dessalines dit ah il faut que nous utilisions une autre stratégie. Eh bien c'est raison ça nous pouvons joindre que côté que côté que après que nous fûmes victorieux sur l'armée française, dernière bataille là qui c'est bataille décisive là qui mène nous vers l'indépendance, qui c'est bataille de Vertière là. Et la bataille Salim a commencé le 10 novembre et la cheminée le 18 novembre. Alors il faut me dire que après que nous finissons chasser les Français, parce que pas oublier que dans le temps, l'armée napoléonienne c'était l'armée la plus puissante du monde. Or nous-mêmes nous n'avons pas assez de moyens juste pour lutter contre l'armée française. Et il faut me dire que les Français ont considéré que c'est une insulte que lié pour eux. Alors c'est raison ça tout n'a pas que le mot Vertière.
il pas figuré dans aucun dictionnaire. Maintenant avec Daniela Ferrière, il y a presque qui moyen que tu as fait pour entrer vertière dans le dictionnaire, mais pour le moment actuel, il beaucoup entrer dans le dictionnaire. Nous croyons que après que nous fin victorieux sur l'armée française, la France t'a fait nos menaces sous prétexte que la retourner venir recoloniser nous. Et bien c'est raison ça. 9 avril 1804, Dessalines pral vini avec deux Crézats qui c'est des fortifications du territoire. Cela veut dire que construire des forts dans tout le pays juste pour pouvoir éviter l'éventuel retour des Français. Mais faut me dire que Fort Salis même Fort Jacques, c'est pas oublier que c'est pas seulement Fort Jacques que nous gagnons dans Boissia. Nous gagnons deux forts, nous gagnons Fort Jacques et l'autre fort c'est Fort Alexandre. Une bonne question. Okay? Yo toujours dit Fort Jacques et Alexandre. Mm-hmm. Est-ce que deux forts ça construit ensemble? Est-ce que gon moyen sous dans Fort Jacques ou qu'à tout aller dans Alexandre, ou bien est-ce que c'est deux forts séparément? Parce que des fois dans la recherche, yo mettez Fort Jacques et Alexandre, ou bien pas comme si ça a toujours troublé. Eh bien, sous ce dia là, Fort Sayo, yo relié par une partie souterraine. Cela veut dire que lorsque moi parler de une partie souterraine, par un tunnel, côté que et parce que Fort Jacques lui-même, il y a une seule entrée, une seule sortie. Et à l'intérieur de Fort Jacques, sur le plan militaire, nous va parler de casier, nous parler plutôt de casier ou casemac. En dedans Fort, il y a 4 casiers, il y a un dortoir, il y a une salle de conférence, il y a une salle de munitions et il y a une salle d'emprisonnement et il y a un foot où on fait un pèque les doukou nous. Et si nous connons manger ça les patates ça vient lorsque nous fait patate là, parce que c'est seulement français qui a accès pour consommer patate là, lorsque nous fait patate là, nous va colons, il dit c'est bon hein, d'où ça vient? Même nous déformer, nous dit si ça vient. Exactement. Et bien, c'est raison ça, après que. Et Fort Jacqueline, il prend 13 mois pour le construire. Cela n'est pas bien que M. dit nous que raison construction Fort yo. Après que nous fûmes victorieux sur l'armée française, la France a fait nous des menaces sous prétexte que la retourner vient recoloniser nous. Dessalines dit ah non, bah, elle n'a pas fait comme ça. Mais c'est raison ça, 9 avril 1804, Dessalines va venir avec deux Crézats qui c'était fortification du territoire, construire des forts dans tout le pays, juste pour pouvoir éviter l'éventuel retour des Français. Maintenant, bien, c'est raison ça. Et bien, faut me dire que c'est pas Dessalines qui construit de force à yo. OK, c'est pas Dessalines qui construit de force à yo parce que pas bien que Pétion lui-même c'est dans le Céli Cap dirigé dans l'ouest, Dessalines l'unité marchand. Maintenant après que Pétion fin et construit Fort Jacques, maintenant il bail Fort Jacques pote non et l'autre fois qui il bail pote non qui c'est Alex Fort Alexandre. Alors c'est bien malheureux. Dessalines mourit 7 octobre 1806 vers les 3h. Maintenant selon le grand historien Dubois, faut me dire que construction Fort Alexandre là c'est pas en construction qui a achevé, il pas fini achevé. OK, à cause de la mort en premier en fait. Franz, fort a été construit dans objectif pour te protéger territoire là pour empêcher l'armée française à retourner. Et Fort Alexandre, dans quel objectif il était construit? Et également, est-ce que ça qu'on arrivé que construction fort au fait comme si mystiquement? OK, juste pour me répondre avec question que vous posez parce que Fort Jacqueline était construit pour dominer la baie de Port-au-Prince parce que pas oublier que dans le temps la mer là pas nous comme ça parce que tout grand rue, tout cité soleil, tout grand cimetière, c'est la mer qui était. Côté que nous parlons que nous allons repousser la mer là pour construire Port-au-Prince, même qui c'est troisième capitale là. Parce que le premier capitale là c'est Marchand-Dessalines, deuxième capitale là c'est Cap-Haïtien et Port-au-Prince même c'est troisième capitale là. Et pour arriver à construire troisième capitale, parce que Port-au-Prince il commence à construire vers les années 1749 et il est prêt à devenir la capitale officielle de la colonie le 23 octobre 1750. Et bien Fort Jacques même c'est construit pour dominer la baie de Port-au-Prince et parce que pas oublier que mathématiquement parlant, il y a un cercle formé de 360 degrés. Et partie qui découpait cercle là, nous les diamètres. Maintenant lorsque Pétion ou Elfin construit Fort Alexandre qui représente 180 degrés, maintenant lorsque l'on pas contre l'autre 180 parce que si ennemi est passé par fond parisien ou par Jacques Mel, c'est-à-dire que nous pas contre Carreau et c'est raison que nous monter en l'air à construire Fort Alexandre juste pour garder contrôle tout 360 degrés en fait. OK. Est-ce que ça qu'on arrivé et des monde viennent faire des activités mystiques dans fort? Bon, c'est un bagage qui arrive souvent parce que des fois que il y a des monde qui font faire révélation qui dit oh, c'est là pour venir. OK, c'est là pour venir. Et faut me dire nous que et nous gagnons l'église qui fermate qui c'est Saint-Jacques. Qui c'est Saint-Jacques? Saint-Jacques majeur, c'est-à-dire que lui attribué avec Fort Jacques. Après que ça est fait et Saint-Jacques c'est 25 juillet ou après que yo toujours moun yo vous conduire faire comme pèlerinage c'est là que yo conduire et gen moun tout yo convoyer vin liminer là et en dedans fort j'aime se dire gen un réservoir qui vraiment mystique et son réservoir qui vraiment qui mesure 16 pieds et demi de profondeur et si me rappeler moi que 23 août 2004 nous voyons que Sohanne avec Boniface yo pral vin là côté que sous prétexte que yo voyé yo vinn pour un jardin réservoir là côté que yo utilisé n'importe trois pompes yo sauté
qu'on a même utilisé main d'œuvre monde dans zone là côté que yo séché de l'eau dans réservoir là. Après quelques minutes, yon grand boulevard, grand lapli, réservoir là retourné plein encore. Pas jouer avec bagages insectes. OK, bagages insectes, gen bagage qui protéger. Bagages insectes pas n'importe qui bagage. Bon, moi même bon, c'est pas un mauvais bagage parce que si ça te pas protéger les affaires, nous t'es capable gagner encore. Exactement. Ça li intéressant. Qui est parce que en pile jeune ou bien en pile monde monter Fojac 18 mai. Qui les Fojac fêter même? Est-ce que gon date yo fêter Fojac? 18 mai nous connaissons, c'est fête drapeau, c'est cahier, mais en pile monde toujours aimer vinn passer un moment là le 18 mai. Mais Fojac même, est-ce que li gon on date que li fêter? Bon, nous on dit que gagnon l'église Saint-Jacques là qui est attribué ensemble avec lui. C'est-à-dire que chaque 25 juillet c'est exactement, c'est pour ça que les célébrations que fait que les fêtes. OK. Exactement. Si tu as un message ou tu as envie lancer avec autorité yo, en tant que un guide okay. Et ou regarder comme si comment faut aller et sanitairement parlant et qui gens touristes connait dans le temps kounya comment lié, si tu as un message d'envie et lancer avec ministère culture, ministère tourisme, ISPAN ou bien n'importe l'autre autorité qui ça t'a payé. Bon, message pas maintenant, c'est que n'a vive non pays côté que richesse nous yo qui nous gros paquet de bonne richesse qui inexploitable. L'aime parler de inexploitable parce que le garder nous gain fort Jacques là, son lieu même lui même t'es qu'à occuper tête lui. OK, même lui même t'es qu'à occuper tête lui parce que son lieu qui visité en pile, même lui t'es qu'à occuper tête lui. Oh, l'état négligé lui. L'état négligé lui, pas prendre soin parce que faut me dire que si c'est pas nous même qui guide parce que Johnson Napoléon t'est venu là. Il était là qu'on poste sur Facebook. Eh bien, ça a été vraiment fait nous mal. Eh bien, c'est depuis là, nous-mêmes qui guide qui sous site là, dans l'esprit de l'unanimité, nous fait propter sous site là. Parce que là, c'est pour nous que lié. C'est pour nous que lié. Si Fojac, l'aile et Johnson Napoléon était venu là, il était là qu'on poste là sur Fojac là, c'est image nous qui était sale. Ok? Eh bien, c'est depuis là, dans l'esprit de l'unanimité, nous-mêmes jeunes qui sous site là, nous fait propter sous site là. Et forme que si c'est pas nous-mêmes qui était qu'un bécite là, l'autre a venu là, c'est sous déchets qu'on a marché là. Sous déchets que tu as marché là. Eh bien, message que m'a lancé Stéphanie avec et autorité yo, et plus précisément ISPAN, parce que m'a songé que nous t'avons fait ministère de culture, de l'agriculture, t'es venu là, côté que dans l'époque et confinement, nous t'avons là, c'est moi-même qui t'ai fait une interview ensemble avec yo, côté que et après, yo t'ai venu voir un ingénieur. Nous t'ai pensé que t'es un bagage qui t'a fait, en rien que sérieux pas réglé. Et deuxième bagage, n'a dit encore tout, nous gagnons ISPAN, qui c'est Institut du sauvegarde des patrimoines nationaux. N'a demandé ISPAN, c'est-à-dire que nous-mêmes qui sous site là, nous pas badge, même dit nous pas badge, nous pas gagnons badge qui d'identification voilà. Qui dit que c'est un guide que nous y est. Parce que imaginons que n'a font travail, nous dans zone n'a peut-être pas comprendre que travail que n'a fait. Un travail qui noble. Qui noble parce que là aller dans site touristique qui aux États-Unis qui dans whatever l'autre et pays, yo cadre guide yo. Mais nous-mêmes qui c'est guide touristique Fojac, nous pas gagnons encadrement. C'est-à-dire que nous livrer à nous-mêmes, nous pas gagnons encadrement. C'est-à-dire que l'on vient là, où t'as besoin, nous t'as gagné un badge, nous t'as gagné un maillot. Qui identifie nous en tant que guide. Une fois que nous pas gagné, qu'on est là, le nous présenter nous devant, ou penser que c'est théorisé, que nous venons théoriser nous. Et nous demander ISPAN, juste pour lui faire un travail, pour penser avec ça. Et nous dit merci tout avec VU. Sur Haïti. VU sur Haïti, qui a fait un bel travail, que il pas perdu, bon Dieu a prévu ça. En fait. Nous remercions également France parce que bon Dieu a promis nous ça. Et ceci, moi-même, je l'ai dit, ni ISPAN, ni mairie de Pétionville pour prendre responsabilité. Parce que, premièrement, guide, yo supposé équiper deux poubelles. Parce que les gens sont venus, ils ont fini de manger, ils n'ont pas joué une activité, ils n'ont pas joué une poubelle pour mettre des fatras, pour mettre des déchets. Des fois, ils mettent des déchets à terre. Ou bien, poubelle sont remplies. Si tu es lui-même qui pour attirer les touristes venir la caille nous. Normalement, l'autre prend Fojac qui tout prévient là. Le besoin de passer un bon moment dans le calme, gagner en température qui est très agréante, li facile pour monter Fojac pour venir prendre plaisir avec famille, entre amour. Donc li gon on soin pour nous Bali. Fojac, ministère culture et mairie de Pétionville,
mettez lumière nous, mettez projecteur nous sur Fort Jacques, c'est important. France, c'est un plaisir pour nous te connaître histoire de Fort Jacques, pour nous te faire histoire ensemble avec vous. Et c'est un plaisir tout pour vous vivre sur Haïti, pour vous accueillir nous, ou te ban nous l'amour et ou chercher tout ça que nous avons besoin. Nous remercions chaque guide qui nous fait. Et moi dis nous bon travail. Nous connaissons que le travail n'est pas facile. Et ceci, ce n'est pas un travail que nous avons joint des gens applaudir nous dans l'activité de tous les jours. Mais nous connaissons que nous avons un travail qui est noble. Et ceci, Haïti pas près de Lia, on le n'a pas récompensé. On visite. Haïti, chérie. Sur NTV, vu sur Haïti. Haïti a ses leaders, mais elle a aussi ses beautés. Les beautés d'Haïti méritent d'être regardées, admirées. Vu sur Haïti vous apporte les images que vous n'avez jamais vues sur Haïti. On va faire parler les images que vous croyez muettes. Vu sur Haïti. Présenté par Stéphanie Smith, chaque mercredi 3h, reprise jeudi 2h et samedi 9h du soir. Vu sur Haïti, Haïti et ses images autrement. Sur NTV, vu sur Haïti. Haïti a ses leaders, mais elle a aussi ses beautés. Les beautés d'Haïti méritent d'être regardées, admirées. Vu sur Haïti vous apporte les images que vous n'avez jamais vues sur Haïti. On va faire parler les images que vous croyez muettes. Vu sur Haïti, présenté par Stéphanie Smith. Chaque mercredi 3h, reprise jeudi 2h et samedi 9h du soir. Vu sur Haïti, Haïti et ses images autrement. Je connais que en pile monde là t'es content de découvrir Fort Jacques. Moi-même en tant que responsable, remarque moi dans Fort Jacques en pile jeune. Les ouvriers en visite, yo, je connais son endroit qui a craint et qui gagne des fois qui fait très fret. Yo utilisé fort à d'autres effets qui pas bon. Nous gagnons la maison du confort
qui sont hôtel qui dans Fort Jacques qui tout près fort là. Mon connais qui feeling que nous ressenti le nous dans fort là, les petits frères d'y a passé et mon connais qui ça qu'arrivé. On pas gain problème pour ça arriver mais respecter fort là. Les ça les petits ça petit feeling ça, petit ça qu'a passé à l'aile monter, moi inviter nous aller dans la maison du confort pour nous descendre. C'est peut-être ça aujourd'hui am gain ensemble avec moi responsable ou bien une responsable dans la maison du confort ensemble avec moi qui c'est monsieur Josué. Bonsoir monsieur Josué. Bonsoir Stéphanie. C'est un plaisir pour nous recevoir sur plateau Vie sur Haïti. C'est un plaisir pour moi tout après-midi pour me capable parler de la maison du confort de Fort Jacques. En tout premier lieu, moi voulais féliciter d'une façon spéciale Vie sur Haïti pour travail au père ça travail colossal ça que l'a fait dans la communauté, l'a fait dans la commune, l'a fait dans le pays. Donc c'est un travail qui m'a dit en pile félicitations, c'est un travail qui m'a dit en pile appréciation, c'est un travail louable. Moi félicite Stéphanie. Merci beaucoup. Okay. Ben nous beaucoup plus d'informations de la maison du confort de Fort Jacques. La maison du confort de Fort Jacques, c'est un hôtel qui est situé à Fort Jacques. Fort Jacques 23 numéro 2. Il y a un espace qui est vraiment attrayant, il y a un espace qui est vraiment agréable pour ou même qui peut visiter lui pour t'apprendre le soin pour capable faire ça. Donc c'est un espace qui est fondé depuis environ 3 ans, OK 3 ans. Et pendant 3 ans ça, donc il y a un pile service que l'app offre dans la communauté. Alors ce que moi dit communauté là, donc c'est là où qui a vu Fort Jacques, Pétionville, genre avec zone avoisinante. Donc tout le monde qui visitait espace ça, donc c'est un pile félicitations. Donc je dis à c'est un privilège, c'est un honneur pour moi, une fois encore, pour me parler de la maison du confort de Fort Jacques. Donc la maison du confort de Fort Jacques, c'est un hôtel qui gagnait, nous gagnait 13 chambres qui disponibles. Ok, 13 chambres qui disponibles et nous gagnons, puisque nous sommes dans Fort Jacques, pas besoin de Stéphanie, donc c'est un climat qui est vraiment agréable. C'est un climat qui est vraiment. Donc une fois que vous venez là-dedans, c'est comme si c'est Canada qui va vivre. Il faut qu'on dise ça. Mm-hmm. Ok, donc la maison du confort de Fort Jacques, donc nous recevons en pile clients déjà et c'est lorsque client revient, c'est en pile félicitations. Ok. Ok, en pile félicitations. Donc moi, c'est un privilège pour me parler de la maison du confort de Fort Jacques. Donc espace ça, donc on est capable de dire que il prend 3 ans pour le construire, mais 98% de travail est en fait. Okay. Ça qui était pour faire là, donc il est capable d'évaluer à 2%. Ok, il est capable d'évaluer à 2%. Donc d'ici septembre 2021, nous allons pour faire grande inauguration de la maison du confort de Fort Jacques. Exactement. Ok, c'est qui ça la maison du confort et présenté à client, qui spécialité? Spécialité. Il y a plusieurs services que nous offrons. Une fois que vous venez, si toutefois que vous venez dans la zone, ok, vous avez besoin de passer un bon moment. Ok. Vous capable de venir. Ça veut dire, je ne peux pas venir seulement pour un moment, j'en ai dit là, un moment. Il y a un prix pour un moment. Exactement. Après ça, il y a un prix si vous voulez prendre chambre, vous voulez dormir, vous voulez rester. Il y a un espace donc, qui offre, donc, une fois que vous avez monde, vous besoin de faire une conférence. Okay. Une fois que vous avez besoin de faire une cérémonie de mariage. Une fois que vous avez besoin de faire une cérémonie de communion. Une fois que vous avez besoin de faire un espace, surtout pour les jeunes qui ont besoin de faire sport. Ok, il y a un gym. Donc, nous offrons tout le genre de service. Ça, de la maison du confort. Exactement. Du gym. Yeah. Ok, c'est très intéressant. La maison du confort, le café mariage, le café conférence, et ceci, l'offre dormir dans la maison du confort, l'offre passer une bonne nuit entre amoureux, le matin, pas seulement lever ou aller manger. Gain gym également, ou café sport, pour remonter, pour remembrer, pour le prendre l'autre pause midi en amoureux. Donc, c'est intéressant. Moi, invitez-nous, là, nous venons dans Fort Jacques pour nous passer dans la maison du confort, pour nous visiter. Qu'est-ce que ça nous offre dans manger, dans boire, cocktail, et ce qu'on spécialité? Oh, nous avons un menu qui est vraiment intéressant. Ok. Il y a un menu qui est vraiment intéressant. 90% donc aliments que nous offrons, c'est aliments naturels. En pile légumes. Bagay qui fait dans Fort Jacques. Exactement. Qui pas, donc, légumes qui sont vraiment frais, qui pas passé misère. Ok. Donc, il faut que je dise tout. Propriétaire hôtel là, c'est un grand cultivateur. Oh, c'est à féliciter. Yeah. Donc, en termes de légumes, en termes de salade, donc, une fois que yon moun donc li vini nan espace là, donc c'est déjà du aliment ça, donc c'est pas là, tout frais que nous offrions. OK,
c'est aliment qui vraiment. Ça veut dire après là, on va manger une bonne salade. Oh, aucun problème. OK. Yeah. On découvre la maison du confort. Sur Antivi, vu sur Haïti. Haïti a ses leaders, mais elle a aussi ses beautés. Les beautés d'Haïti méritent d'être regardées, admirées. Vu sur Haïti vous apporte les images que vous n'avez jamais vues sur Haïti. On va faire parler les images que vous croyez muettes. Vu sur Haïti, présenté par Stéphanie Smith. Chaque mercredi 3h, reprise jeudi 2h et samedi 9h du soir. Vu sur Haïti, Haïti et ses images autrement. TV vu sur Haïti. Haïti a ses leaders, mais elle a aussi ses beautés. Les beautés d'Haïti méritent d'être regardées, admirées. Vu sur Haïti vous apporte les images que vous n'avez jamais vues sur Haïti. On va faire parler les images que vous croyez muettes. Vu sur Haïti, présenté par Stéphanie Smith. Chaque mercredi 3h, reprise jeudi 2h et samedi 9h du soir. Vu sur Haïti, Haïti et ses images autrement. Nous souhaitons découvrir la maison du confort dans Fort Jacques. Et ceci, moi-même, pas même quoi, je suis de Saint-Thomas encore, parce que la chambre est très accueillante. Et l'espace que nous avons en l'air à tout, c'est un espace qu'après, d'ici septembre 2021, côté que nous avons fait conférence, nous avons fait graduation, nous avons fait toute activité que nous voulons là-dedans. Et également, Guillaume Beurre, parce que nous connaissons Fort Jacques, ça veut dire dans Fredili. Là, nous venons tout Guillaume Beurre qui a des bagages qui sont très intéressants, qui a aidé nous. Monsieur Thomas, un dernier mot. Dernier bon mois, moi, je voulais
remercier une fois encore Vue Haïti pour superbe travail ça que l'il a fait. Ensuite, ou même qui peut visiter la maison du confort de Forjac. Moi invité vous pour faire ça. Une fois que vous venez, moi garantis vous que vous pas regretter. Une fois que vous venez visiter la maison du confort de Forjac, vous demandez si là pour passer tout reste vie ou. Par rapport avec espace là, par avec endroit, par rapport avec climat. Une fois encore, moi invité vous visiter la maison du confort de Forjac. Merci. Moi-même également, moi invité nous visiter la maison du confort de Forjac parce que moi-même fais visite là et me pas regrette. Émission ça était possible grâce avec monsieur Thomas. Il était possible également grâce à Jean, grâce avec Fanette qui est représentant Inapact qui était ensemble avec moi, qui était monté malgré fatigue, malgré distance qui était ensemble avec moi. Émission ça était possible également grâce à On TV, grâce à Classis Makeup. Et moi dit merci avec Kimi Modestil qui était marré tête moi qui habillé aujourd'hui a. Merci avec Tida Collection, merci à One TV, merci avec Riz Plus Restaurant, merci avec Stainless Beauty Salon qui fait belle acrylique pour moi. Moi invité nous, remet pays nous, remet patrie nous et protéger drapeau nous. Merci à la prochaine.